Salut à toi et bienvenue pour ce nouveau vlog. Je te remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si tu me découvres aujourd'hui, je m'appelle Clément Morfin et aujourd'hui j'ai deux entreprises, Olympe Luxury et Prestige Media. Olympe Luxury aujourd'hui est une marque de montres et je te partage justement via ces vlogs tous les dessous de scène de ma marque. J'ai également du coup en annexe l'entreprise Prestige Media qui est une entreprise spécialisée dans l'audiovisuel. Bon, elle, je t'en parlerai un petit peu moins. Et du coup, aujourd'hui, petit update, petit point sur ce qui s'est passé ces derniers jours. On est aujourd'hui du coup début décembre, on a clôturé du coup le mois de novembre avec plus de 60 000 euros de chiffre d'affaires. Pour ma marque de montres, ça a été clairement le plus gros mois de la marque. J'avais fait en décembre 2021 32 ou 33 000 euros pour le mois, mais on était en décembre, c'était Noël. Donc là, vraiment très encourageant, 60 000 euros pour novembre. Bon, il y avait une grosse partie des commandes qui étaient pour Noël, mais quand même, j'étais quand même assez content. En autre news, du coup, je suis en train d'ouvrir du coup une EURL, puisque là, bah, en termes de chiffre d'affaires, ça devient de moins en moins intéressant de rester en auto-entreprise, puisque jusqu'à maintenant j'étais en auto-entreprise, donc j'ai pris mes rendez-vous avec experts comptables, juristes, etc. Et on va tout faire pour que du coup début décembre l'EURL voie le jour et que du coup toute la facturation aille sur l'EURL, pas sur l'auto-entreprise, pour éviter ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu. Puisqu'en auto-entreprise, malheureusement, il y a des gros impôts sur le revenu, puisque tout l'argent vient sur ton compte bancaire perso. Et pour l'État aujourd'hui, si ça arrive sur ton compte bancaire perso, c'est que c'est du revenu. Et moi, c'est pas du revenu puisque je le réinjecte pour racheter des nouvelles montres. Donc très compliqué, mais du coup voilà, ça là-dessus ça avance pas mal. Autre point également, le rename de ma marque de montre. Actuellement, on est sur Olympe Luxury. Là, je suis en train de travailler justement sur le rename pour 2023 et on partira normalement sur Maison Morfin. Encore à déterminer, c'est encore entre guillemets entre parenthèses. Rien n'est fait, mais je pense partir sur Maison Morfin. Donc voilà, pas mal de news. Écoute, je vais t'emmener avec moi pour ce nouveau vlog et je vais essayer de te montrer deux, trois petites choses intéressantes sur ma marque. Donc, je te reprends une fois que j'ai quelque chose d'intéressant à te montrer. J'ai des journées, les gars, qui sont interminables. Là, j'ai attaqué du coup de faire des lives TikTok tous les soirs, donc de 21h à 1, voire 2h du matin. Je suis en live et je fais des emballages de colis. J'ai changé un petit peu ma stratégie sur TikTok. D'ailleurs, mon TikTok s'affichera sûrement en bas. Voilà, j'alterne du coup différentes vidéos. Je suis un peu plus transparent du coup sur ma marque. Je me fais vraiment défoncer en termes de stock. Je vais passer du coup commande pour des nouvelles montres. Donc, pas les Black Hole, mais les anciens modèles vont revenir avec des fonds pleins. En tout cas, c'est très, très cool. Je vais essayer de te filmer un petit peu comment se passent les lives, les behind the scenes, etc. En tout cas, je te reprends plus tard pour te montrer des trucs intéressants. Ok, je te reprends, je viens d'avoir un appel du livreur dans quelques minutes. Je devrais me faire livrer du dernier exemplaire de Black Hole que j'ai pas encore reçu. La couleur Black and Gold, parce que du coup, elle est un peu plus compliquée à produire. Donc actuellement, mon fournisseur m'a envoyé que la couleur Silver, Silver Gold et Black. Et là, du coup, ils ont fini la Black and Gold. Je me fais livrer dans 5 minutes. Je te reprends quand j'ai reçu le colis, on va unboxer tout ça. Et puis on va regarder si du coup, elle est pépite ou pas. Du coup, je te reprends une fois que j'ai le colis. Du coup, j'ai commandé aussi quelques bracelets caoutchouc avec le bouclardillon en acier inoxydable. Donc, il y en a une trentaine. Tu vois, elles sont toutes, toutes ici avec la petite boucle en acier parce que j'avais énormément de demandes. Hop, tu vois, t'as la petite bouclardillon. Donc, c'est mon fournisseur de montres qui me les a envoyées. Ils avaient du stock en bracelet. En général, je commande que les montres chez eux, pas les accessoires. Mais là, ils avaient des bracelets caoutchouc. Qu'est-ce qu'elle est belle, je la vois déjà arriver. La Black Hole, Black Gold, la voici, la voilà. Elle est magnifique en vrai. Celle que j'ai le plus en précommande. Voilà, encore toutes ces protections. Du coup, je te reprends, j'ai enlevé toutes les protections que le fournisseur envoie pour pas que le modèle s'abîme durant le transport. Je la trouve personnellement magnifique. Elle est incroyable, c'est je pense le modèle que j'ai le plus aujourd'hui en précommande et pour moi je pense que c'est vraiment le modèle le plus joli parmi toutes les Black Hole. C'est vrai que j'avais eu un coup de cœur pour la Silver Gold, mais faut dire que celle-ci quand même c'est de la bombe, c'est une petite bombasse. Là c'est brossé, sort super bien, le plaquage PVD est incroyable. Bracelet en acier 316L bicolore. Non, franchement les gars, ça tue. Ok, du coup, je te reprends. Là, je vais lancer un live TikTok. Du coup, petite lumière d'ambiance avec des petites LED. Je vais faire du design de montre en live. Donc, écoute, bah, je lance le live. Je te pose sur trépied pour te montrer un peu comment ça se passe. Je vais faire du design pour, bah, du coup, les prochains modèles de ma marque qui, du coup, sera sous le nom Maison Morfin. Donc, écoute, je te pose sur trépied. Je lance le live TikTok et je te montre comment ça se déroule. Allez, c'est parti, go. Les gars, vous êtes en live pour mon YouTube.
Le dernier index, il est mal, mais ça me stresse. Ah, attendez, le dernier index. Ah ouais, il est pas sous la petite barre. Donc l'index, vous m'avez dit, ouais, c'est lui qui va pas bien. Il est pas mis où il faut. Donc là, on est pas mal, hein. La Olympe, elle a un cadran en marbre pour la full black. On va faire masque d'écrétage. On va l'appeler triangle sur lunettes. J'utilise Photoshop, Nolan. Ta montre est trop belle, surtout en squelette. Et on est qu'au début du design, les gars, vous êtes pas prêts. On va faire un truc de fou, là. Là, c'est vraiment le début, hein. C'est très simpliste. On voit le mouvement, là, pour l'instant, mais y a rien de foufou. Je pense qu'on va pouvoir cacher les index. En fait, on va faire ça, regardez. On va le mettre de la taille du cadran. Je sais pas si c'est viable en vrai. Hein. Ça, après, c'est mon usine qui va me dire, monsieur, mais enfin, il faut reprendre le design. C'est pas possible ce que vous avez demandé. Si, s'il vous plaît, je veux pas refaire mon design exprès. Et ben, si, monsieur, mais enfin, vous allez refaire votre design. Et je vais l'appeler Miyota 8N40. Bon les gars, 2h16 du matin, je viens de terminer du coup le live TikTok. Au début on est parti en questions-réponses, puis finalement on est parti sur du design. Ça fait quelques jours que je prépare des designs pour mon renommage de marque, parce que je passe du coup sur Maison Morphin. J'avais fait des designs carrés, je les ai montrés un petit peu. Pas mal de gens m'ont dit de rester sur du design rond, donc j'ai fait un design en live avec une montre ronde. Je l'ai pas terminé, ce soir là à 2h du matin, il restait qu'une dizaine de personnes sur le live, mais ils interagissaient, ils me donnaient des conseils, etc. C'était assez ludique, c'était assez cool, je suis assez content. Moi je kiffe faire le design des montres, donc franchement je me régale. Donc là je l'ai pas terminé, il y a toute la partie décoration. Puis après on va un petit peu essayer de chercher des subtilités de design qu'on fera du coup dans les jours prochains. Je pense que demain je vais relive. Je vais m'occuper de la décoration en acier. On va voir ce qu'on peut faire. Et bah écoute, je vais te récupérer là-haut, je vais te montrer de plus près à quoi ressemble. Alors attends, je te récupère là. Tac. À quoi ressemble le premier potentiel modèle Maison Morphin de ma marque, puisque si je vais la renommer, elle s'appelle Olympe Luxury. Mais du coup, on va passer sur Maison Morphin, donc je vais passer sur un 8N40 et pas un 8N24. La particularité du 8N40 chez Miyota pour le mécanisme, c'est qu'elle a une petite seconde. Donc peut-être mettre un petit disque qui tourne ici. Bracelet jubilé, là tu as tout mon design Photoshop pour l'instant. Et puis là, tu as le petit live que je viens de clôturer avec tout le chat. Tu vois, les gens étaient chauds, les gens interagissaient, c'était la folie. Et il est 2h16 du matin, 2h18 même maintenant. Voilà, bon, bah écoute, je vais aller me coucher gentiment. Demain, grosse journée avec Angelo, on va faire de la photo vidéo produit. Donc voilà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu aimes ce premier jet en termes de design. Voilà, allez, je vais me coucher, je te laisse ici. Ok les gars, du coup, je te reprends. Je suis aujourd'hui avec monsieur Angelo Tournant, un bon collègue à moi du coup qui a lancé sa marque de maroquinerie. On a fait un petit setup du coup avec tous les portefeuilles, porte-cartes qu'il a lancé. Donc c'est du cuir de croco. Donc il mérite d'être mis en lumière, jeune entrepreneur de 24 ans. Il a suivi ses rêves, il a fait quelque chose de très très bien. Angelo, présente-nous tes super produits. Je pense que ça intéresse les gens. Bonjour à tous, moi c'est Angelo Tournant. Donc j'ai créé ma propre marque de maroquinerie. Donc je fais notamment des portefeuilles et des porte-cartes en peau de crocodile véritable. J'ai apporté un soin tout particulier au niveau des finitions. Des billets de sang, exactement, voilà, tout à fait. Il y en a une dizaine. Un portefeuille sur la série où il y a plein de billets de sang dedans. Genre en mode le Monopoly. Donc non, franchement, je suis vraiment content de mes produits. C'est vraiment à la hauteur de ce que j'ai construit avec mon fournisseur. Donc franchement, c'est une pépite. Si toutefois vous voulez aller voir mon site, c'est angelotournant.com. J'ai TikTok, Instagram, donc au même nom, Angelo Tournant. Donc n'hésitez pas, c'est en série limitée parce qu'il y en a que 80 pièces et déjà sont partis entre temps, donc n'hésitez pas, allez-y vite. Ouais non, en vrai pour donner mon petit feedback, c'est vraiment de la qualité. Moi j'avais un Louis Vuitton, je l'ai switch direct pour un Angelo Tournant. Je suis très content parce qu'en vrai c'est de la qualité. Là on paye vraiment les matériaux, on paye pas la marque. Pour un ordi d'idée chez Gucci, un portefeuille comme ça en pur cuir croco avec du cuir surpiqué, c'est 2200 euros. Là on est sur 350. C'est de la très bonne qualité. Il est là depuis quelle heure, 7h15 du matin chez moi. Là il est quelque chose comme 15h passées. On est en plein photoshoot, on bosse quand même pas mal. Moi je fais mes live TikTok aussi également, je bosse pas mal sur ma marque. Ça fait une semaine également du coup qu'il vient directement dans les locaux Olympe Luxury pour bosser avec moi, c'est vraiment cool. On avance bien, puis ça fait plaisir de travailler avec quelqu'un aussi qui est un peu dans la maroquinerie, dans la mode, dans l'accessoire aussi quali, parce qu'il fait pas des montres des portefeuilles à 20 euros, il fait moins un truc quali, ça j'aime bien. Aujourd'hui je privilégie vachement plus la qualité à la quantité, donc c'est vraiment cool. Il y a également monsieur Romain Pose derrière nous qui nous a rejoint, mon coach en dev perso, collaborateur de la chaîne YouTube Upgrade. Allez, viens nous faire un petit coucou mon petit Romain. fais ta pub, vas-y, profite. Allez, bonjour à tous. Bah, écoutez, moi c'est Romain Pose, j'ai 28 ans et ma passion c'est d'accompagner les dirigeants et les entrepreneurs à acquérir le mindset pour qu'ils atteignent leurs objectifs plus rapidement et du coup,
forcément. Colle-le. Ah, pardon. Et pardon, du coup, qu'ils atteignent leurs objectifs plus rapidement pour faire croître leur business et être épanouis au quotidien. Donc, si toi aussi, tu as envie d'avoir le mindset et la vie qui t'inspire, eh ben, écoute, n'hésite pas à me contacter. Je pense que Clément mettra toutes les informations dans la description. Et puis, bah, au plaisir d'échanger. Tu peux me contacter. Je suis disponible H24. Je travaille 7 jours sur 7. Voilà, les gars. Bon, et puis, petit moment pub, les gars. C'est bon, j'ai régalé tout le monde. Non, en vrai, ils font du très bon boulot. Maroquinerie, les gars, franchement, faites-lui confiance. C'est un jeune entrepreneur. Il a pris des gros risques. Lui, derrière, il m'aide également aussi sur mes business. Il m'accompagne dans tout ce qui est dev perso. Il accompagne tous les entrepreneurs et ceux qui veulent même changer de vie. Même si t'es pas entrepreneur, tu peux toujours essayer de le contacter. Donc, c'est super. Bon, maintenant, on va peut-être se mettre à bosser, les gars. Pareil, un peu de blabla. On va aller boire notre petit thé vert, notre café et puis on va se remettre au boulot. Allez, je te reprends après. Ok, les gars, du coup, là, je te reprends. Il est 11h30. On est le 8 décembre. Une personne a réservé un appel visio. C'est un service que je propose sur mon site internet olympusfury.fr pour pouvoir voir les produits de plus près, les petits détails, également avoir une interaction orale avec le client, répondre à ses questions. Donc là, je m'empresse de préparer tout ça, préparer également les montres pour pouvoir lui les montrer. Je l'appelle et je te filme tout ça. Oui, rebonjour. Oui, rebonjour. Du coup, je vous propose de vous montrer tous les modèles. Est-ce que vous aviez du coup des modèles du coup dans le viseur qui vous intéressaient? Est-ce que vous aviez des questions? Aussi, j'ai demandé justement l'appel pour voir vos modèles de montres proposées. Oui. Il y a du black, donc là j'ai le black avec bracelet en cuir de vache imitation croco. On aura de l'argenté, celui que je viens de vous montrer, en full argent. Alors je vais les poser là. On aura du black and gold, clairement aujourd'hui le modèle phare que tout le monde réserve. Du silver doré qui est pour moi aujourd'hui le modèle que je porte le plus. Et au niveau des exemplaires, on est sur 125 pour chaque montre, c'est ça ? C'est ça, vous avez la numérotation, je vais essayer de vous la montrer. Là, vous avez 125 exemplaires pour chaque montre et vous avez le numéro exact au niveau de la boucle déployante ici. D'accord, ok. Donc là, c'est la 001 puisque c'est l'exemplaire que je porte. Après, chaque personne a son numéro exact, 002, 003. Ok, les gars, je me mets dans mon petit fauteuil de papa. Je viens de finir du coup l'appel vidéo avec le client. Bon, bah du coup, plutôt sympa. Il a regardé un peu tous les modèles Olympe et Black Hole que je propose. Bon, je crois même qu'il m'a découvert via YouTube, donc ça, c'est plutôt cool. Il a également du coup regardé mes TikTok. Vraiment positif, donc du coup, il m'a dit qu'il allait passer commande. Je lui ai fait un petit cadeau. Je vais lui mettre un stylo Olympe Luxury en plus de sa précommande. Je crois qu'il veut partir sur le modèle Black Hole, donc bon, bah tip top. En vrai, c'est un service qui est quand même assez sympa parce que les gens peuvent directement me poser des questions, être rassurés, voir les produits, c'est ce qu'il a fait. Au final, il m'a posé des questions sur les délais de livraison, sur les potentiels futurs modèles Olympus Fury. Est-ce que ça vaut le coup d'attendre des prochains modèles? Est-ce qu'ils vont sortir bientôt, etc. Donc, positif. Plutôt content. On fait pas mal de ventes ces jours-ci. En même temps, mois de décembre, Noël arrive, donc c'est vraiment cool. Je vais m'en mettre à bosser. Il y a Angelo qui est à côté avec moi au niveau du bureau. On bosse ensemble quasiment tous les jours en ce moment. Vraiment positif. J'ai encore pas mal de travail. Donc, allez, je te laisse. Je bosse. Je te partage à présent les dessous de scène de nos tournages avec Angelo. Il a lancé du coup sa marque de portefeuille, comme tu as vu justement précédemment dans le vlog. Et du coup, on a préparé plusieurs vidéos pour son TikTok, pour le lancement justement de sa marque. Donc je vais te partager un petit peu les dessous de scène, tu verras que bah, c'est assez drôle. Il y a des ratés, donc bah écoute, je te laisse sur les images. Et qui plus est, me faire confiance et accueillir Lucas Angelo tournant. Éteint. Oh non, s'il te plaît. Angelo, tu m'as motivé, nickel. Là, tu me chies dans la colle. Mais grave, on va y arriver, on va y arriver. On va y arriver, t'inquiète. Mais oui, c'est ce que j'ai déjà, ça a sauvé les meufs, t'inquiète. Donc faites-vous plaisir à l'oreille, comme ça, tu finis comme ça, ok? Et qui plus est, me faire confiance et acquérir une pièce Angelo Tournant n'est pas une dépense, mais un réel investissement. Puisqu'en effet, mes pièces vous accompagneront des dizaines d'années dans vos poches. Donc faites-vous plaisir, c'est bientôt Noël. Ah, c'était la parfaite, ça. Ça va, ouais. En fait. Yes, ça. Ah, allez, on fait mieux que ça. Bon, comme t'as pu voir, l'enthousiasme y était. La vidéo maintenant de présentation est prête. On a préparé avec Angelo d'autres vidéos et maintenant on va passer aux commentaries. Donc on va faire en fait une voix off, Angelo va faire pour le coup une voix off sur ses vidéos produits et tu verras que c'est pas un exercice facile. C'est vrai que moi j'ai l'habitude aujourd'hui avec ma marque de montre de faire des voix off, commenter mes vidéos, être interviewé, etc. C'est quelque chose quand même qui est nouveau pour Angelo, donc j'ai essayé un petit peu de le briefer. Je te partage ces belles images et tu verras qu'il a quand même géré. Présentation de ma marque de portefeuille en véritable... Je l'en fais si tu veux. J'ai fait une démo en fait. Allez, sors. Présentation du dernier portefeuille de ma marque de portefeuille en cuir de... Présentation du dernier portefeuille de ma marque de portefeuille en cuir de crocodile qui est actuellement d'ailleurs le cuir le... Mais c'est une intonation un peu forcée, je dois faire au début, j'aime pas trop. Ouais, mais il faut que t'accroches les gens en fait. Tu vois, en gros, TikTok c'est ça, les gens ils ont pas le temps, ils vont te balayer au bout de 2 secondes. Donc faut que tu les interpelles, donc faut qu'il y ait une belle image
et il faut que ce soit stylé, tu vois. C'est Noël. Oh non. Ah, on était presque. Faut que tu fasses présentation de ma marque de portefeuille. Alors aujourd'hui, je m'appelle Angelo Tournon, j'ai lancé ma marque de portefeuille. Vous avez à l'écran le portefeuille marron de la collection Sauvage numéro 1. Il est également disponible en noir. C'est bien en fait, ça complexifie un peu le... Faut que tu embellisses ton produit. Donc tu vois, il fait partie d'une collection. La collection en plus, c'est joli, ça s'appelle numéro 1 Sauvage. Ça laisse entendre qu'il va y avoir une collection numéro 2. Donc il faut vraiment que tu soulignes ça. Et il faut pas que tu t'attardes trop, tu vois, en mode il y a du marron et du noir, ça c'est bien, faut le dire. Présentation de ma marque de portefeuille en peau de crocodile. À l'écran, vous avez le portefeuille marron de la collection numéro 1 Sauvage, également disponible en noir. Vous avez également des porte-cartes marron et noir disponibles. C'est Noël, faites-vous plaisir. Grâce au code promo Noël TikTok, vous avez 20%. Et en plus, 3 billets de 100 se sont glissés dans la commande, n'hésitez plus. Ah, trop bien, t'en plein mon pote. Là, t'as plein, tu mets pas avant. Ah, nickel. Ça, c'est la folie. C'est ici que je te laisse pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié ce vlog. Je te laisse sur quelques images du live TikTok que j'ai fait justement il y a quelques jours avec Angelo. On a préparé des commandes, on a présenté un petit peu ses produits. N'hésite pas à laisser un commentaire, à lâcher ton meilleur pouce bleu si tu valides le format de ce vlog. T'abonner pour ne pas rater les prochaines aventures. Là, du coup, un nouveau vlog va arriver très bientôt. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver de vraiment sympa. Donc, n'hésite pas justement à t'abonner. Comme ça, tu rateras strictement rien. Je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Salut.